a dit mon numéro. Là, je me suis dit, waouh, c'est pas vrai. Je pense que c'est quand je me verrai à la télé ou bien sur les magazines que là, je vais vraiment prendre conscience de ce que je fais. Une nouvelle aventure commence. Il faudra faire des sacrifices. Il faudra se donner les moyens. Alors oui, c'est mon premier relooking. Ça fait beaucoup, beaucoup de changements. Mais j'apprécie. La tête droite, Lindsay, Lindsay. Excuse-moi, c'était mon premier shooting aujourd'hui. Très plaisant, j'ai vraiment pris du plaisir à le faire. J'avoue que c'est un peu stressant pour une première fois. C'est vrai que le fait qu'il y ait les autres regards des candidats en plus du staff technique, ça déstabilise. C'est vrai que j'ai envie de gagner comme beaucoup de filles, je pense. Au moins d'être dans les 5 premières. Oui, je veux gagner le concours. Je veux gagner, je veux faire partie des 5 filles. Je suis déterminée, motivée pour gagner. Cette année, dans la Miss Academy, les règles ont volé en éclats. J'ai décidé d'intégrer à l'aventure une nouvelle candidate, Christine Garçon. Oui, je débarque effectivement de nulle part, mais apparemment j'ai un potentiel qui manque puisqu'on m'a sélectionnée d'entrée. C'est exceptionnel de voir deux sœurs qui se présentent à un concours et qui s'entendent et sont raccord sur pas mal de choses. Devant les résultats des candidates des éditions précédentes, Nathalie Peters ou encore Sidji Lada, le jury a décidé d'augmenter ses exigences. Là, cette année, les compétitions préliminaires, les candidates rentrent directement dans le top 10. Beaucoup moins sympa, la candidate qui a eu le moins bon résultat lors de la compétition est nominée pour une élimination. C'est dur. Ça donne envie de se surpasser pour la suite. Ça leur a mis un froid, les pauvres, pour les voir. Elles n'osent même pas célébrer la victoire de Tully parce qu'elles sont vraiment déjà surprises parce qu'elles ne savaient pas pour ces éliminations. Et ensuite, parce qu'elles sont un peu gênées de célébrer devant Tania qui était nominée. C'était pas au programme, donc il y a eu beaucoup plus de pression qu'on attendait les résultats. Et puis ça fait toujours de la peine de savoir que finalement, il y en a une qui est un petit peu désavantagée. La belle pour elle. Elle est belle. Mais elle va travailler, elle va travailler, elle va y aller. Je fais confiance. Les filles ont bien compris qu'à ce moment de la formation, on est rentré de plein pied dans la compétition. Certaines se montrent plus déterminées que jamais. Il faut tout donner parce que du moment où on sait qu'on sera nominé, donc là, ça nous met une pression sur nous. Le fait de savoir que chaque semaine, au courant des concours, il y aura des nominés, ça donne plus de pression mais en même temps plus de stress. Donc ça nous donne envie de nous battre et d'essayer de réussir au maximum. Et donc c'est vrai que pour faire la différence, on va quand même être obligé d'avoir 10 finalistes. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé ces compétitions préliminaires qui permettent l'accès direct à quelques candidates qui sortent du haut. Avec ces nouvelles règles, alors qu'une candidate se retrouve sous les spotlights, Tully. Je sais que je me suis donnée à fond, j'ai voulu gagner. Je suis récompensée, donc je suis super contente. L'autre a tout à prouver désormais, car elle est sur la sellette. Oui, en effet, je me dis, mais... pourquoi moi? Pourquoi j'ai été nominée? C'est si dur. Tania sait qu'elle a tout à prouver désormais et la jeune femme ne coupe pas en rester là. Moi? Motivée mais plus que jamais. Je suis obligée car là, va falloir que je me rattrape et vous allez voir, je vous réserve plein de surprises. Tania est pourtant la candidate qui avait séduit le jury et notamment Jérémy Edouard. Souvenez-vous. Moi, je dis oui, 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 oui. Comme Franck, il dit oui, oui, oui. Bon, voici Jérémy, quand il est beaucoup chien. Oui, c'est clair. Liliane devra faire preuve de détermination pour vous convaincre qu'elle a bien sa place dans le top 10 final. Allez-y, votez pour moi si vous avez envie de me revoir. Je ferai des efforts pour vous satisfaire. Tania, numéro 17. Tully est la petite bulle d'oxygène de cette édition. Prof et juré ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Tu dis, j'aime bien son corps, un peu athlétique. Je pense que ce qui a fait la différence avec les autres filles, c'est ma motivation, ma détermination, mon sourire et ma façon de marcher. C'est un peu notre ange. Elle a quelque chose d'angélique, de pur.
Elle est très sérieuse, très assidue. Attention les filles, j'arrive, maintenant fin 2010. Si la Benjamine du concours semble bien installée dans le top 10, il faudra qu'elle reste constante, car certaines candidates un peu effacées commencent à s'imposer. Moi, dans les candidates que j'avais vues au casting, sur lesquelles moi j'avais vraiment un grand doute, et c'est vrai que c'est mon équipe qui me disait « mais oui, il y a vraiment quelque chose », c'était par exemple Nathalie. Elle a l'esprit de compétition, mais c'est une compétition d'athlète, puisqu'elle fait du sport. Et Nathalie, effectivement, a une espèce de magie, elle fait des prestations scéniques exceptionnelles. Et c'est vrai que sa corpulence et son volume fait que finalement, elle bouffe les autres. Personne ne me fait de l'ombre, parce que nous sommes toutes au même niveau. Ça serait à nous après de nous départager. Sinon, pour le moment, je ne vois pas quelques menaces. Hein. Je ne sais pas si c'est le fait qu'on ait eu une grille qui a eu des locks, mais aujourd'hui on a des candidates qui viennent et qui ont des locks. Yael a des locks aussi, donc du coup elle sort du lot. Je suis assez élancée, donc assez fine, on va dire. Je vais dire que j'ai une coiffure originale, ce n'est pas comme la plupart des filles. Yasmina, parce qu'elle est, c'est une grande lesbienne avec un volume de cheveux extraordinaire. Donc bien sûr, comme toutes les filles, je suis là pour gagner. Je ne me compare pas trop aux autres filles. Je suis là plus pour un dépassement personnel. Katie, pour exister, elle n'a pas besoin de faire de bruit. Elle se pose là et puis il y a une espèce de lumière qui irradie d'elle. Au fur et à mesure de l'aventure, je vais rester naturelle et stratégique. On sent la différence cette année. Les filles vraiment ont des objectifs, elles s'y tiennent. Elles sont là pour gagner. Elles ne sont pas là pour faire des amis, etc. On est là pour gagner, donc après, chacune fait son maximum. Il y a des surprises comme ça où on ne s'y attend pas. Et on se dit, bon, il y a des nanas qui ont un potentiel et qui ne le savent pas. C'est bel et bien une nouvelle semaine qui commence. Alors que les filles sont à peine remises des émotions de la compétition de maillot, elles doivent préparer la compétition suivante. Oui, un petit peu stressée quand même parce que c'est presque l'une des dernières étapes. Oui, j'ai donné meilleur de moi-même pour être nominée. Alors que les jeunes femmes semblent faire le bonheur de l'équipe qui les encadre. Chaque année, on se dit, c'est pas possible, on ne va pas en trouver d'aussi belles. Et puis, on en trouve toujours d'aussi belles. C'est ça qui est extraordinaire dans cette île. Des infractions aux règles de l'académie vont venir tout bouleverser. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir. On voulait faire un petit point avec vous. Parce qu'il y a des petits détails, des petites choses qui nous ont un petit peu contrariés. Première question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Parce que enfin, vous avez quand même signé un contrat d'exclusivité. Personnellement, c'est pas moi qui ai pris la page, mais j'en ai assumé les conséquences. Je ne vois pas vraiment où est le problème. À suivre demain dans Martini Queens.